Diap, les gens, c'est Verxius. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle technique Kama assez énorme. Donc, ça sera pour les bas level surtout, parce qu'elle rapporte pas énormément quand vous êtes de haut level. Donc, ça sera avec les lamelles de champ à verre. Donc, je sais pas si vous connaissez cette technique. Donc, elle marche aussi pour toutes les autres lamelles. Donc, ça va vraiment vous rapporter énormément. Et vous allez voir directement le drop. Donc, au champ à verre. Et il y a 15% de drop. De 10 à 15% de chance de drop. Vous avez des chances en plus de drop. Des champignons Luigi. Bon, il y en a peu, mais vous en droppez toujours moins une sur un perco. Donc, ça vaut vraiment le coup. En plus, vous pouvez aussi drop des champs à rouge. Donc, ça fait 590 000 laissants. Donc, vous voyez, il y a vraiment de bonnes chances de drop. En plus, la zone est infestée de champs. C'est vraiment une énorme technique. Donc vous voyez, les prix sont vraiment faramineux. Et en plus, regardez à quoi ils servent. Ils servent vraiment à des objets utiles. Donc ça se vend vraiment. Hein. Regardez, un guérisseur. Et le guérisseur, vous l'avez besoin pour faire les autres guérisseurs. Donc c'est vraiment utile. Donc regardez, 32 de soins. Les lamelles de champa marron. Pour faire un miraculé. Champa rouge. Pour faire un enragé. Et pour les rudis, pour l'allumette de champ à verre. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc on va directement aller à la zone. Donc c'est en... La zone où il y a les champas, c'est cette zone, la clairière de Bruce Bulgur, si je me trompe pas. Donc on va prendre le zap 5,7 et dès que j'y suis, je vous remets à la vidéo. Allez à toutes les gens. Donc, donc vous voyez, je suis dans la zone des champas. Et vous voyez, bon, il y a pas mal aussi de percos déjà. Il y a déjà pas mal de percos. Donc vous voyez, 126 pods avec 140 000 kama. Donc je pense qu'il y a plus de 140 000 kama. Donc je pense que je vais poser un perco, moi, pour voir si la guilde n'est pas pleine. Ah non, il reste encore deux percos. Si il n'y a pas déjà des percos de partout. Ah ben non, vous voyez, une petite map. Je vais poser mes percos. Donc là, je suis avec mon ami Ninja Kiwi. Enfin, c'est pas vraiment lui. Là, c'est son co-teamer. Attendez, je vais pas le poser au prisme. On sait jamais qu'il se fasse aggro. Donc voilà, bah, je vais poser un seul perco pour en laisser pour les autres de la guilde. Donc vraiment, cette technique, elle rapporte vraiment énormément. Je vous conseille vraiment de la faire. Elle rapporte pas beaucoup. Elle rapporte surtout, je pense, c'est vraiment une bonne technique pour les gens qui commencent, pour les bas level qui ont besoin de petits panneaux. Parce que pour les haut level, elle peut servir pour se faire quelques millions de kama, mais pas pour se faire un stuff en entier. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Allez, ciao ciao les gens.